Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te montrer et te faire découvrir un outil qui est super pratique. Alors c'est un outil que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, mais qui est super intéressant parce que oui, on va pouvoir générer de manière ultra rapide des maquettes. Donc tu as créé un projet et tu veux montrer ce que ça va donner sur un smartphone, un ordinateur ou n'importe quelle autre marque de smartphone par exemple. Eh bien, tu peux utiliser bien sûr Photoshop. Mais c'est toujours un peu du chipotage. Je parle d'expérience. Mais donc là, c'est un outil que tu vas pouvoir installer sur ton site et ça va grandement te faciliter ça. Allez, je te montre ça tout de suite. C'est parti. Alors, avant toute chose, n'hésite pas à me soutenir. Si tu as des questions ou des commentaires, ça se passe juste en dessous. Et puis, n'hésite pas à t'abonner. Alors aujourd'hui, je vais te montrer donc cet outil qui s'appelle Mockups Studio. Et donc Mockups Studio, c'est un outil que tu vas pouvoir installer sur ton ordinateur et c'est gratuit pendant 7 jours et il va te permettre d'importer des créations et les générer en mockup, donc en maquette, donc que ce soit sur un ordinateur, un téléphone, un appareil ou quoi. Je vais te montrer tout de suite, je vais l'installer sur l'ordinateur et donc je vais te montrer comment ça se passe. Donc concrètement ici, voilà, je l'ai installé et j'ai droit à toute une série de marques et d'appareils pour montrer mes projets que j'aurais envie de partager sur les réseaux sociaux par exemple. Et donc je peux aussi choisir une main d'homme, une main de femme ou pas de main tout simplement. Je peux choisir l'orientation, donc portrait ou paysage, et aussi sans rien du tout. Donc, soit je prends un décor, soit si je veux vraiment être épuré, je prends sans rien du tout. Donc, voilà comment fonctionne l'outil. Et prenons l'exemple, par exemple, une création qu'on aurait faite. Donc, pour ça, je vais aller sur le tableau de bord HappyDesk et je vais aller chercher. Une illustration, imaginons. Ça, c'est un nouveau favori que j'ai ajouté dernièrement qui permet d'avoir des dessins comme ça. Donc là, on va parler des manifestations. Tu en as sûrement entendu parler dernièrement. Black Lives Matters. Et donc, je vais exporter celle-ci et on va l'importer dans le petit programme qui se trouve ici. Donc pour importer, je clique ici et là, je peux en principe lâcher mon dessin et tu vois que directement, hop, j'ai directement, c'est tout, mon dessin est généré partout. Et donc on imagine bien entendu que tu peux mettre ce que tu veux. Là, j'ai pris une illustration du tableau de bord, mais ça peut être un site internet, ça peut être une app. Ça peut être plein de choses et tu peux commencer à choisir si tu veux plutôt iPhone, plutôt sans les mains et tu vois que tu peux générer des chouettes mock-up, des chouettes maquettes que tu vas pouvoir directement exporter. Donc là par exemple si je veux ceci, je le télécharge, je l'ai sur mon ordinateur et j'en fais ce que je veux. Donc voilà un peu l'outil. Donc c'est un outil qui est gratuit jusqu'à 10 mock-up. Et puis sinon c'est payant, c'est 7 $ par mois. Mais donc c'est tout à fait raisonnable. En général, ce genre de choses, on en a besoin une fois de temps en temps. Donc tu peux t'abonner, prendre ce que tu as envie, et puis tu te désabonnes. Et puis comme ça, tu as payé 7 $. C'est vraiment pas grand-chose. Et ça te permet de montrer des chouettes créations sur les réseaux sociaux ou même sur ton site internet pour par exemple ton portfolio. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que l'outil te plaît et dis-moi si tu l'as utilisé aussi ou si tu en as d'autres. Partage-moi ça dans les commentaires, qu'on en discute. Sinon, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!